La Nandina domestica, appelée aussi bambou sacré, mais en fait qui n'a pas grand-chose à voir avec un bambou, même si la plante peut légèrement drageonner, elle n'est pas aussi envahissante que les bambous traçants. C'est une plante persistante qui mesure 1, 2, voire 3 mètres de hauteur. Elle ne pousse pas particulièrement vite. Elle ne forme pas spécialement un buisson, mais plutôt des tiges qui se ramifient légèrement. La floraison est blanche, pas spectaculaire. On voit ici une inflorescence fanée. Mais l'intérêt, ailleurs que la floraison blanche qui est un petit peu discrète, c'est sa fructification. La plante produit des petites baies rouges qui restent sur les branches une bonne partie de l'hiver. En général, on peut dire que ça ne tombe pas. C'est plutôt les oiseaux éventuellement qui vont s'occuper de faire tomber ces petites baies. Même début mars, ça tient encore un petit peu. C'est assez décoratif. La plante n'est pas particulièrement adaptée à une utilisation en haie, mais on peut toujours l'intégrer dans une haie libre, bien évidemment. Alors on voit que le pied de la plante est dégarni. Il n'y a qu'une tige et elle se ramifie relativement peu. Vous n'avez pas l'espace ou la hauteur pour cette variété, c'est pas un problème, puisque Nandina domestica firepower est une plante naine. C'est presque la même chose, même si quelque part on ne retrouve pas du tout cette même végétation avec des grandes tiges. Elle est beaucoup plus compacte. Au soleil, elle prend des teintes un petit peu rouges. Celle-ci est très à l'ombre. Tout compte fait, elle n'est absolument pas rougeâtre. Alors c'est des plantes qui sont relativement robustes puisqu'elles supportent relativement bien la sécheresse. Un peu différentes des plantes de terre de bruyère, elles sont beaucoup moins exigeantes. Ça pousse au soleil comme à l'ombre. La grande variété va demander un petit peu plus de lumière, alors que la toute petite Firepower peut se débrouiller très bien à l'ombre dans un petit coin. Firepower demandera un espace d'environ 80 cm de diamètre. Elle se développe très lentement. Cette plante mesure environ 30 cm de diamètre. Alors, évidemment, tout dépend la dimension de la plante à laquelle lorsqu'on va l'installer, mais cette plante a été achetée toute petite dans un tout petit pot d'un ou deux litres. Elle mesurait environ 10 cm et ça doit bien faire 5 ans qu'elle est là, donc on peut constater tout de même que c'est des plantes de tout petit développement. En hauteur, ça ne dépasse pas 1 mètre. Alors, ça reste une toute petite plante de massif, on ne se mettra jamais à l'ombre sous celle-ci, alors que la grande variété peut tout de même grimper à 3 mètres. Mais il ne faut pas être très pressé, ce n'est pas du tout un bambou, puisque la grande espèce de Nandina atteindra 3 mètres au bout d'une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années.